بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم. Bonjour. Les bases de l'islam ont été énumérées à maintes reprises. Ici, dans le chapitre Le voyage nocturne, Al-Isra, Dieu a rassemblé un grand nombre de ces entités-là, de ces bases-là. Ce sont des règles humaines, des règles de comportement, des règles éthiques de haut niveau. On va voir ces règles-là. Qu'est-ce qu'il dit ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُوهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها صدق الله العظيم. وقضى ربك استدل ديو أذكرتي une conduite bien saine vis-à-vis des parents. وقال ربك لا تعبد إله إلا إياه وبالوالدين إحسانا. C'est-à-dire, soyez toujours monothéiste, méfiez-vous de tout ce qui a touche au polythéisme. وقال ربك لا تعبد إلا إياه. Donc, nulle divinité n'est propre à être glorifiée ou à être remerciée à part Dieu. وقال ربك لا تعبد إلا إياه. Donc, on doit suivre cette voie-là, la voie de la relation intime avec Dieu. C'est le Créateur, on lui doit adoration, on lui doit remerciement, on lui doit politesse, on lui doit tout ce qui est bien. Nous devons à Dieu toutes les reconnaissances, il nous a donné beaucoup de faveurs, il nous a, comment dirais-je, fait goûter ce que ça veut dire être le monothéiste. Il nous a donné le Coran, il nous a envoyé ses messagers, que la paix d'Allah soit sur eux, etc. Vous voyez, il n'y a nul autre être qui peut être associé à Dieu. Tout a sa source dans la volonté divine et le Verbe divin. Donc, pas la peine de chercher midi à 14h, le Dieu est manifeste, le Dieu, on ne peut pas, comment dirais-je, médire de lui, on ne peut pas
comment dirais-je, soulever des doutes à propos de son unicité. Donc, c'est très facile parce que c'est très véridique, c'est clair et net que Dieu est Dieu et nul autre ne peut avoir cette qualité-là, à part lui. C'est-à-dire, soyez des bons compagnons par rapport à vos géniteurs. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالد الا اياه وبالوالد احسان. Donc tout ce qui est bon conduite, un bon comportement, c'est le vivre avec les parents. وبالوالد احسان وبالوالد احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. Et si l'un d'eux ou les deux atteignent leur vieillesse, tout en étant tout près de toi, tu dois te conduire d'une façon la plus noble et la plus humaine et la plus douce et la plus reconnaissante. Emma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff, ne dis pas fi à vous. C'est-à-dire uff, c'est-à-dire une petite conduite mal, une mauvaise conduite, n'importe quelle soit la petite de ce poids-là, toujours il faut éviter de dire fi de vous ou fi à vous. Fala taqul lahuma uffan wala tanharuma, il ne faut pas les rudoyer, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas les abuser de leur qualité, de leur existence, de leur dignité, etc. Voilà, tanharuma wa qul lahum qawlan kariman wa qul lahum qawlan karim, c'est-à-dire tu aimes toujours les paroles les plus bonnes, les plus belles, les plus délicieuses. Wa qul lahum qawlan karim, karim ici, c'est-à-dire ce qui fait honneur. Wa khfid lahum janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et puis tu dois être, tu dois te comporter avec humilité avec tes parents. C'est-à-dire tout en étant doux avec eux, tout en étant gracieux avec eux, tout en étant plein de bonté envers eux. Et invoque ton Dieu pour qu'il les traite avec miséricorde comme ils t'ont traité lorsque tu étais petit. Même dans la vie intellectuelle, tu as été bien traité. Tu as été bien traité, ça c'est sûr. وقت الله مجنع الدنيا من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيني صغيرا. Oui, on doit être reconnaissant, surtout avec Dieu et les parents. ربكم أعلم بما في نفوسكم, Dieu est le meilleur connaisseur de ce que vous avez comme caché dans votre fort intérieur. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأولين غفورا. Et dans le cas où vous êtes des gens de bien, des gens qui construisent et ne détruisent pas, qui font des rapports humains, qui sont en bon état avec les voisins, avec tout le monde, إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. C'est-à-dire, sachez bien que ceux qui retournent vers Dieu pour avoir sa miséricorde et sa bonté, c'est toujours, il va leur pardonner. Ces gens-là, ils sont bien placés pour être pardonnés. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Et tu dois fournir tout ce qui est nécessaire pour tes proches. وآتي ذا القربى حقه. Donc, tu dois te conduire d'une façon saine, d'une façon intègre, d'une façon honnête. وآتي ذا القربى حقه والمسكين. Et puis, ce qui est en état de nécessité. والمسكين وابن السبيل. Et le voyageur qui est démuni, le voyageur est appauvri. وابن السبيل. Même le voyageur qui est riche, tu dois lui donner les bons conseils. Tu dois l'aider par un don. Tu dois beaucoup de choses à faire avec ce voyageur-là. وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Et il y a des tas
حديث أبو شريفة أبروبو لابن السبيل ولا تبدر تغييرا إن سوى با بروديك مام دون سي كالا دو كومو ديرج دو نفقة سادير تو رونس دي سيرفيس مي سوى با دون ليتا كومو ديرج ديكزاجيرسي ولا تبدر تغييرا إن المبدرين لبروديك كانوا إخوان الشياطين سون كوم لي ساتانيك comme des agents visibles, وكان الشيطان يربي كفورا et il nous rappelle que le shaitan, c'est-à-dire Iblis, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'espoir en Dieu, les rabbi kafour, c'est-à-dire il est toujours ingrat vis-à-vis de son maître et son éducateur. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إمام لو دولك où tu as été obligé de rompre le lien avec ces arrogants-là, Korachites ou Israélites, ou même tu les en as un homme hypocrite, ou même tu les en as un homme tigre, c'est-à-dire tu veux, par cette rupture-là, que Dieu te donne encore plus de bonté comme cadeau, parce que tu es bien conduit avec ces gens qui ne sont pas dignes d'être bien traités. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني tu espères toujours cette bonté là qu'elle soit perpétuelle qu'elle soit toujours en progression ترجوها فقل لهم قولا يسورا mais dis-leur des paroles lénifiantes des paroles qui donnent de l'espoir donnent l'espoir du changement d'attitude etc ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك Alors, et ne porte pas ta main comme ligotée à ton cou. C'est-à-dire ici, c'est, il veut dire que ne sois pas radin, ne sois pas quelqu'un qui ne veut pas donner quelque chose pour les autres. Donc, voilà, tajal, yada kamarou, la tenir en ouk, voilà, topsta kou l'albas, attaque d'un malouma, mahsoura, et ne gaspille pas ton argent, ton temps, tes forces. Des conseils comme ça, parce qu'après ça, après cet excès-là, tu vas tomber dans un état pire, celui d'être blâmé pour de bon, au marsoir, c'est-à-dire tu seras dans un état de regret insoutenable ou insurmontable. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Et ton Dieu, ton éducateur et ton patron, il est lui seul qui étend ses faveurs, il accroît les provisions accordées à ses créatures, les maniachers pour, il donne pour celui qu'il veut lui donner, et il retient ses dons pour les autres. Voyez, c'est-à-dire il limite, il n'a aucun abri khabir en basira, parce qu'il est lui seul au courant. Il est l'expert, il est le meilleur connaisseur de l'état de ces créatures, de leurs besoins, de leurs moyens, de leurs jeux, de leurs scénarios, de leurs films, etc. Voyez que nous n'avons qu'à l'abri-bad, il khabir en basira, il voit mieux que tous les autres. Voilà, taktou, awliadakum, khashiat, emlak, nahnu, narzoukhum, wa iyakum, inna qatlam, kana, khit'an, kabira. Et ne tuez pas. C'est-à-dire ne commettez pas l'infanticide, parce que vous craignez la pauvreté, donc vous allez les tuer pour diminuer le nombre de bouches. Or, ce n'est pas faisable, ce n'est pas digne d'un homme qui se respecte, surtout des croyants. Voilà, l'imlaq, c'est la pauvreté qui est dure et qui perdure. Nous nous sommes et nous c'est à nous que revient le rôle de donner, d'accorder les faveurs. Dans l'ordre, comme c'est-à-dire, il donne de l'eau, de la nourriture, des vêtements, des tentes, des demeures, etc., de la santé, etc. Et toutes les facultés sont données par Dieu. Dans l'ordre, c'est-à-dire, ici, vous voyez, il dit, c'est à nous que revient leur nourriture, leur protection, leur éducation, etc., avant que vous soyez intéressés par ça.
Donc, vous voyez, ce geste d'infanticide, il n'a pas de raison d'être. Parce que vous avez, vous avez peur qu'il soit exposé à la mort par l'effet de sous-alimentation. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu, il s'intéresse à toutes ces créatures, et surtout, par ordre d'importance, ces êtres affaiblis de par leur âge et leur inexpérimentation. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا leur mort et surtout ici l'homicide ici c'est une grave forte aux yeux de Dieu c'est un crime très lourd ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا et n'approchez pas la fornication parce que sa réalité c'est qu'elle est une mauvaise chose et la pire des choses et ça va amener vers des dégâts effroyables. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.